Moi je veux du huc. Ah mon pote la nuque. Ouais, mes petits dindons, comment ça va ou quoi? Est-ce qu'on serait pas un petit café? Allez, on sert un café. Ouais, je me suis dit, tiens, en fait j'étais en train de faire une vidéo là, donc j'ai fait un gameplay avec Fantôme, casse pas trois pattes à un canard, donc je me suis dit, ouais, c'est pété, c'est de la merde, cette vidéo elle me plaît pas. Et après j'ai commencé à parler, je vais tout reprendre, j'ai commencé à parler des alliances où je suis passé, d'accord? Et dans, on va le faire dans le sens où, dans genre la fameuse timeline des teams que j'ai fait, où j'ai passé un bon moment, d'autres où j'ai passé des bons moments où ça s'est un peu cassé la gueule, et faute à qui, d'accord? Pas forcément la mienne. Après j'ai été con un petit peu aussi je pense, et je ferai un peu de VS en même temps, c'est qu'on avance, voilà. Ouais donc, la team choc des titans les mecs, franchement merci, merci aux potos, aux leaders, à toutes les personnes qu'il y a dedans, parce que j'en ai beaucoup appris. Et je me suis régalé. Un putain de kiff, un régal cette team. Mais je suis parti parce que ça faisait de la guerre d'alliance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tout le monde fait de la guerre d'alliance. Et tout le monde rêve d'être plat 4. Rêve d'être platine 3. Tu vois. Voire plus. Mais quand tu fais la QA5, tu peux pas. Enfin, c'est-à-dire que tu veux pas investir. Du moment où tu passes la QA6-7, là après, tu sais que tu vas payer dans le jeu de toute façon. Et m'arnaquez pas les gens. Me dites pas, non, moi je fais de la 7, je ne paye pas. Comment tu fais? Bah, je sais pas. À moins que tous tes VS soient faits en mode de, je me saigne les pouces et que ta main de la puissance que t'as perdu tes pouces. Je sais pas, mais me dis pas ça. Arrête. Ne mens. Tu mens à tout le monde, d'accord? Arrête de mentir. Tu peux tromper une personne 1000 fois. Tu peux mille fois tromper. Non. Tu peux 1000 fois tromper une personne. Bref, vous m'avez compris quoi. Mais non, bah, vraiment, c'est que Choc des Titans, j'ai un régal et je suis parti là pour aider Nemesis dans sa première team. Là où je suis revenu après, d'accord? C'était catastrophique. La première saison, on est tombé avec des asticots qui ont l'habitude de migrer en pleine saison, intersaison, on se m'en bat les couilles de la saison, on s'en tape de la saison. Donc ils sont venus, ça a pas plu, je sais pas ce qui leur a pas plu, peut-être qu'ils pensaient être meilleurs. Visiblement, c'était pas le cas, mais en tout cas, ils m'ont bien fait sourire. J'ai bien. Pour de vrai, il y avait une belle ambiance, mais ils s'en battaient les couilles. Alors, ça s'est cassé la gueule, et du coup, j'ai fini à la ULGDS. Et là, c'était pas pareil. Je vous explique. Venez dans mon canapé, je vous explique. Là, c'était l'anniversaire du doudou. Alors, et encore les trucs. J'ai pas enlevé. On est mardi. C'était samedi, dimanche, anniversaire. Voilà. Et du coup, dans cette team, le GDS, j'ai passé la première saison. Une saison, je vous dis la vérité. Génial, j'ai passé une vraie saison, un régal, d'accord? Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Quand la première saison, c'est magnifique, j'ai fait venir Mickey, tu sais Mickey, le youtubeur qui fait que du VS, là. L'autre tête de bite, ouais celui-là même. J'ai fait venir, voilà, avec mes couilles Mickey, et du coup, bah, ça a pas plu parce que lui, il avait sa façon de penser dans le jeu. Il y a peut-être des synergies. Il avait sa façon de penser dans le jeu et d'autres avaient leur autre façon de penser. Tu vois? Donc, bah forcément, ça pouvait pas marcher. Ça n'a pas marché, tout simplement. On va faire. Vous cherchez pas la logique avec mes VS. Moi, c'est je clique. Et j'aime bien quand c'est joli, harmonieux. Et j'aime bien les couleurs, comme ça, quand j'ai un peu de tout. C'est, je trouve ça rigolo. Ouais, enfin, moi, j'aime bien. Peut-être toi, t'aimes pas, mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais, vas-y. Voilà, l'UHGDS saison 2, on commence. Et à la mi-saison, ça a commencé à partir en couille parce que ça s'entendait pas avec Mickey. Du coup, Mickey est parti. Et là, il a commencé l'histoire de moi, B2Zub, et comment s'appelle Axel, le poteau. Midnight, pour ceux qui le connaissent dans le jeu. Ça a commencé à partir en mode, on fait exprès de perdre, on fait exprès de ne pas prendre les lignes. Sauf qu'un jour, vous connaissez, enfin, si tu me suis sur YouTube, tu sais très bien que mon fils joue avec le jeu. Tu sais très bien que mon fils, des fois, joue en QA, joue en guerre d'alliance. Eux, visiblement, me connaissaient peut-être pas comme ça. Mais voilà, mon fils m'a déjà dépensé des tonnes d'unités. Mon fils m'a déjà, regarde comme là, Spider-Man, à l'époque, il m'avait supprimé. À l'époque, j'avais des 4 étoiles. J'avais câble qui était montré. J'avais monté 4R5 câbles à l'époque, à cause d'un connard de YouTuber roux. J'ai pas dit connard, je dis à cause d'un YouTuber roux. Bref, il m'avait tout supprimé. Le Chikakaba m'a fait que j'ai pu les récupérer. Gloire à moi, parce qu'ils ont vu que j'ai rien touché derrière, parce que j'ai pas touché. J'étais en panique. Bref, ils ont pensé que je foutais la merde exprès. Non, c'est pas le cas. C'est juste que déjà, un, peut-être j'en avais un petit peu marre de jouer la guerre d'alliance parce que j'ai quitté une team
pour pas en refaire, et j'en refais, et le niveau est monté très fort, parce que dedans, il y a d'excellents joueurs dans cette team, et des gros cons aussi, d'accord, qui sont en plus généraux, enfin généraux qui sont officiers, pas tous, d'accord, et pas tout le temps en plus de ça, mais t'as des officiers qui se foutent de la gueule du leader. Moi j'ai vu ça, j'ai reçu des messages en privé, je me suis dit, vous êtes des bâtards, c'est pas bien. Et en fait, je me suis dit, moi ça me plaît pas. Il s'est passé un jour, c'est que je devais rentrer en guerre d'alliance, on ne devait pas faire des extérieurs. Je vous explique tout. Hein. Et ça a commencé comme ça. Mon fils me dit, papa, je suis rentré, j'ai joué. Je suis mort de rire, moi je rigole. Ha ha ha, c'est pas grave. Sauf quand QA en plus, il part à gauche alors que j'allais tout le temps à droite. Bon, ça fait deux boulettes en une journée, tu vois. Bon, pour eux, c'était trop. Et j'ai pété un plomb un jour sur un Ironman en borne flux. Et du coup, ils m'avaient mis backup. Et je suis pas rentré en backup. Si t'as pas besoin de moi, pourquoi tu veux que je rentre? Si tu me dis pas, tu prends tes lignes, pourquoi tu veux que je rentre? Et ces mecs-là ont commencé à partir en psychose. Ouais, t'en branles pas une, tu profites. Ok. À savoir que moi, tu fais une guerre d'alliance, je te dis la vérité, je vais être backup. Et je vais pas jouer. Je vais être backup à vie. Pourquoi? Parce que être backup, ça me plaît. Ça me plaît d'être derrière, tu m'appelles, je fais une ligne. Aujourd'hui, je suis rentré. Alors que 80% des GA, tu m'appelles s'il y a un corps, je vais le faire. Tu me dis cette ligne-là, je la sens pas, je vais le faire. Je sers à ça, moi. Je sers à ça, uniquement à ça. Je sers pas à te clean des lignes parce que, honnêtement, ça me fait chier. Je déteste les guerres d'alliance, c'est un truc que je ne supporte pas. Et ça fout le bordel dans n'importe quelle team. J'en ai la preuve. Dans toutes les teams, les guerres d'alliance, toutes les teams sans exception, même celles où on s'entend bien, c'est la famille, ça part en freestyle. Ça part en couille, obligatoirement, un jour ou l'autre. Ça part en pompant cucu. Donc voilà, j'étais un peu déçu de ça. J'étais un peu déçu. Après, pour leur prouver que j'étais pas là du tout pour leur... Oh merde, j'ai pas vu. Pour leur récompense, je suis parti avant la fin de la saison. Voilà. Bon, surtout qu'un mec m'a dit « Ferme ta gueule, tu commences à nous faire chier, bouffon de youtubeur. » Je me suis dit « Ah, je suis un bouffon de youtubeur. » C'est sympa. Ah, c'est sympa, pourquoi pas, mais bon. Bon, bouffon de youtubeur. Du coup, je suis parti de l'ULGDS et là, j'ai fini dans une petite alliance, toute petite alliance que j'ai trouvée sur Global. On dit tout le temps que le Global, il n'y a que des cons. Non. C'est vrai qu'il y a pas mal de il y a de la vermine, je vous dis la vérité, il y a de la vermine dans le Global. Mais il y a surtout des gens attachants, et j'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient censés être des bouffons sur le Global, genre des fouteurs de merde. Et quand tu parles avec eux à côté, en fait, ils y vont juste parce que c'est un régal pour eux de faire chier. C'est leur truc. Tu vois, il y en a, c'est leur truc. C'est genre, putain, je vais les faire chier aujourd'hui. Ils y vont, ils font un peu chier et ils se barrent, ils sont contents. Donc moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Donc ils vont certainement se reconnaître, ceux qui regardent. Et tu te rends compte qu'à la fin, ils sont non seulement attachants et gentils. Ils n'ont pas des gros bouffons. Ils sont juste là pour faire chier sur le moment, quoi. C'est tout. Après, faut pas confondre avec ceux qui viennent, genre tu dis bonjour tout le monde, ils te répondent nique ta mère, fils de pute. Ah, il y en a, c'est instantané, tu prends une rafale d'insultes, c'est instantané, ils te connaissent pas, mais nique ta mère, ils ont des comptes level 32, ils en ont rien à foutre du jeu, ils ont aucune team ou ils ont des teams. La dernière connexion, c'était il y a 72 jours, tu vois. Ça, c'est encore autre chose. Donc, j'ai atterri, là, je parle avec un mec, Galactus. Galactus, je dis écoute, voilà, j'ai eu un souci dans mon alliance, moi, je cherche une alliance pour une semaine et demie qui arrive, parce que j'ai besoin de gloire. Clairement, j'ai besoin de gloire. Même 1000 de gloire, j'en ai besoin. J'avais un... Comment ça s'appelle? Un 5R5 à monter. Voilà. Donc, je me suis dit, j'ai pas le choix. Il va falloir que... On me dit, mettre de l'eau dans son vin. On va mettre qui? Ah, c'est vrai que j'ai trop du cul. Ah, attends, on va mettre le Black Order. Parce que après, il y a quoi d'autre? On s'en tape, ouais. Donc, voilà. Ah, c'est vrai que j'ai trop du cul maintenant. Excellent, ça. Donc on en est sur ça. Moi ça va, je parle pas trop depuis longtemps. On en est sur ça. On s'en bat les couilles un peu. Attends, on va faire ça. Voilà. Alors, normalement j'ai coup direct, qu'il n'y aura pas de coup direct. On s'en bat les couilles. Vous avez vu Modoc, maintenant ils ont rajouté une ligne, on peut lire. Donc moi j'ai atterri chez Galactus. Chez Galactus, j'ai trouvé d'excellents nouveaux joueurs. Pas forcément jeunes dans l'âge, peut-être jeunes aussi, mais je les connais pas tous exactement. Mais... Et là j'ai passé une semaine et demie, je vous jure que c'est vrai, un régal. Et je suis resté, j'ai demandé, est-ce que je peux rester dans le groupe? Tu vois, encore une fois, comme quoi la ULGDS, il y avait un souci, c'est que j'ai fait 4 ans de jeu, beaucoup de teams, et que je suis toujours parti en bon terme, et que je m'entends avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde, très bien. Sauf que eux, c'est parti en couille, parce que c'est complotiste, et ils ont aspiré à une évolution très forte, très vite, avec la hype des gros joueurs qui étaient là, plus ou moins.
D'accord? Il est vrai que moi, je me suis un peu cassé la gueule en GM, parce que comme j'aime pas ça, bah, j'y mets pas du mien. Et mon tort a été, c'est vrai, un jour, j'ai reçu un message comme quoi ils m'ont demandé de poser ma défense ou d'avancer sur une ligne, et j'ai dit non, je m'en bats les couilles, j'avancerai pas. D'accord? Et ça les a vexés, dans le sens où peut-être qu'eux, ils ont pas compris que moi, j'en avais marre. J'en avais marre de faire cette ligne 7, comme j'ai déjà dit plein de fois, bande cachée, t'as trop de surprises. Et le Iron Man, je vous jure, il m'a violé. Les gars, Iron Man, j'ai vécu avec Namor. Parce que je me suis dit, c'est bande cachée à cet endroit-là, j'avais souvent un petit truc à contrer avec mon Namor, et là, je tombe sur ça, j'ai fait ça. Frottage de yeux, j'ai tapé, je vous jure que c'est vrai, j'ai pris SP3. Je fais, oh putain, c'était les débuts de la borne flux, tu vois, on connaissait pas tous. Et j'étais pas tombé sur un fils de pute de ce sens-là. Ce qui me rassure, c'est que Chris, le même jour, il s'est tapé sur cette ligne-là, un Iron Man. Bon, bah, il a pris le tarif comme moi. J'ai pris 3 SP3. J'ai bégayé. Et du coup, bah, vous savez, la règle, c'est tu prends un KO, bah, tu fermes ta gueule et t'arrêtes. J'ai dû appeler le soutien. Et depuis, bah, putain, j'ai comme si je m'étais fait violer et je voulais plus retourner sur cette ligne. Je voulais plus retourner en guerre d'alliance. Ils ont pas compris. C'est dommage. Je vous le dis, les gars de la ULGDS, moi, avant que ça parte en coup, j'étais très bien là-bas. Et Doudlux, je te jure que c'est vrai, t'es un bon gars. Je t'apprécie. GG gros, franchement bien, bien. Je t'apprécie. Bon, on revient chez les Galactus. Enfin, chez Galactus, dans sa petite team, là. Et j'ai passé un moment. Eh, un régal. Petite team, un régal. On faisait de la QA3, de la QA4, un régal. Un vrai régal. Et je me suis retrouvé à retrouver l'ambiance de l'époque où les égos sont mis de côté pour le plaisir. Dans le sens où, encore une fois, je le dis, plus tu vas vouloir aller haut, plus tu vas croire que tu peux faire. Parce que c'est croire, c'est que tu vas pas faire un bon score. Quand tu fais de la QA5, tu vas pas faire 300 millions de la QA5. Tu vas faire entre 200 et 250. Tu vois? Tu veux plus, aspire à autre chose. Et là, ça devient compliqué. Et tu vas situer du cul parce que ça va te coûter tes ressources dans tous les sens. Ta gloire. C'est où va ta gloire? Je te montre. Non, on va faire du S. Ta gloire, elle va dans ton orteil gauche, ta gloire. Tu peux l'oublier, ta gloire. La gloire, c'est ciao, la gloire. Ah ouais. Je sais pas du tout le jouer. Hein. Je sais que beaucoup de gens le jouent en mode pare-brise gars. Ah, faut se dépêcher parce qu'il peut purger. Ah, ça, ok. Ah non, mais là j'ai juste mis, je crois, c'est 4 brises d'armure. J'ai reculé, j'ai pris les faveurs de Thanos. Sans mission, hein. Vous avez vu ce que ça envoie? Bon, je sais. Ah, vous avez raison de dire que c'est de la merde. Intercepter l'attaque. Pendant un moment, je faisais deux gauche-gauche. Oh, Nick Taras, on va te tuer rapido comme on peut. C'est long, hein. Oh. Ouais, je m'apparate sur un deuxième coup. Vas-y, meurs de ça, on n'en parle plus, voilà. Donc voilà, Galactus, ta petite team, les gardiens de la rébellion, j'ai kiffé. Dedans, il y a de très bons joueurs qui sont dans des grosses alliances. Enfin, c'est qu'ils ont mis leur petit compte là-dedans et franchement, la rigolade. Je me suis régalé. Et là, je suis retourné chez mon poteau Nemesis. Donc, nouvelle team en construction. Tous les membres qu'il y a dedans actuellement. D'accord, je tiens à le dire. Ouais. Il y a de très, très, très bons joueurs. J'ai retrouvé... Écoute bien. J'ai retrouvé des copains de mes premières teams. C'est fou ou pas? Quand la team, à l'époque des... Comment ça s'appelle? La de la meute a explosé. Parce que pareil, encore une fois, certains aspiraient à mieux. Et n'acceptez pas, c'est méchant ce que je veux dire, mais n'acceptez pas que les autres évoluent plus doucement. Ils n'acceptaient pas et que bah, la lassitude de quoi que ce soit, enfin, ça ne voulait pas. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, ça a explosé. On s'est tous retrouvés éparpillés dans l'univers du jeu. Et j'ai fini chez, comment ça s'appelle, chez les Majib. Très très bonne team qui a explosé et qui, du coup, vu qu'elle a explosé, elle atterrit chez mon poteau Nemesis, là où je suis actuellement. On a tous atterri ensemble, donc du coup, je connais déjà plus de la moitié des personnes qui sont dedans, d'accord. Et puis maintenant, bah, on navigue avec tous les personnages qu'il y a dans cette team.
ceux qui ont été fidèles à Nemesis depuis le début, parce que moi j'ai quand même lâché deux saisons, d'accord, j'ai lâché deux saisons, dont une j'aurais dû revenir tout de suite, je suis pas revenu tout de suite, j'ai voulu tester une saison plus ULGDS, parce qu'ils aspiraient à mieux, et ça s'est pas passé comme prévu, parce que voilà, ça arrive, comme j'ai expliqué 40 fois. Donc voilà, on en est là, on va faire un petit tour vite fait des champions que j'ai chopé dernièrement, puis c'était, on va faire, je vais appeler à la vidéo, petit tour, et puis ça va. Donc là on a combien, un petit 15 minutes, c'est pépère. Donc vous avez vu ça? Ça, c'est monté par mon fiston. Donc voilà, encore une fois, la EGDS. Regardez bien. Mon fils, avec ma gemme de rank up, m'a dit « Papa, j'ai monté mon Spider-Man, je kiffe. » Eh bah, ben, il a monté Spider-Man. Je l'ai mis à fond. Voilà. Alors que ma gemme de rank up, elle était pour comment ça s'appelle? Pour ma fantôme, à la base. Tu vois? Elle était pour elle. Mais je vous dis sincèrement, je vais pas la monter R5. Et vraiment, c'est... Après, ils vont me dire « Non, t'es ouf !» Elle est pas doublée et je prends pas de plaisir quand je la joue. En fait... Je joue fantôme et à la fin je mets 40 coups. Bah c'est de la merde. Enfin, vu que faut que je monte en SP2 et vu qu'elle n'est pas doublée, bah je monte pas en SP2 réellement. Dans le sens, j'explique encore une fois. Et ça, c'est franchement, c'est une tristesse. Ça tape dans la démat. Ouais, ça m'est manqué. Ouais, tu remets un coup, c'est un critique. Ok, ouais, ouais. Là, tu fais, ouais. Sauf que derrière, le pouvoir. De la merde, il n'y en a pas. Alors tu dois taper 4 coups. Donc des maths, 1, 2, 3, 4. Des maths, 1, 2, 3, 4. Et à la fin, tu retrouves, tu as mis 40 coups, mon pote, pour mettre un SP2 du turfu. Soit le SP2, il est du futur. Bah moi, tant qu'elle ne sera pas doublée, au moins, voilà, bah, je n'y touche plus. J'y touche plus et je pense que mon prochain up, je vous dis clairement, il est là. Beaucoup m'ont dit, non, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Écoute, je suis productif de ce que je veux. Je veux Nick Fury et la torche. Je les ai pas, donc forcément, je veux les deux. Parce que je sais que j'en aurai besoin dans pas longtemps, puis la torche, c'est génial. J'ai Egon, j'ai Doom, d'accord, j'ai deux, trois conneries comme ça qui pourront bien me servir. Mais Nick Fury, j'aimerais. Et là, je montrais ma Captain MCU aussi. Forcément, il n'y en a pas forcément besoin non plus. Mais ma Captain MCU, je trouve qu'elle est meilleure avec Fury. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement, donc voilà. Ouais, voilà, on était là. J'ai doublé un 6, vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai fait des conneries que mes recs, voilà. Le 6, j'ai doublé lui, dans du grand maître. J'ai pris 5 cristaux, l'époque où j'avais des unités. Je regrette parce que je farm plus ou moins là pour monter pour faire mon premier passage du LOL. Voilà, donc bah, ça sera Egon. Egon, maintenant, il est à 40, donc c'est grave raisonnable. Ouais, j'aurais pu faire avant, mieux, mais en fait, maintenant, c'est grave raisonnable et je commence à apprécier. Dans mes 5 étoiles, on va faire ça. On va commencer par le fond. Donc moi je disais, Luke Cage, c'est un personnage que j'ai eu dans une des vidéos que j'avais postées, mais il n'y avait pas de son. Donc du coup, j'ai tout repris. Donc voilà, Luke Cage, Electro, le Kaïd il y a quelques jours là, Cul Obsidian, il y a eu qui d'autre? Est-ce que j'ai doublé des trucs pour la route? J'ai doublé Magneto, d'accord. Daredevil, encore une fois, Kamala Khan, c'est tout ce que vous n'avez pas vu. Mister Sinister, j'ai doublé, vous l'avez pas vu non plus. Nebula, voilà. Donc j'ai tout ça, c'est des cristaux 5 étoiles que j'ai ouverts et je vous ai dit, j'ai un peu perdu la foi, j'ai un peu perdu la foi des openings, puis la foi de YouTube, parce que, enfin, honnêtement, je suis pas là pour faire genre, mets un pouce bleu, mais mets-le quand même, tu vois. Commente. Mais c'est vrai que quand tu fais des efforts, tu vois, avec Bruce Grossin, j'ai pris le temps, franchement, le micro déconne, ça m'a saoulé. Après, j'ai fait genre l'enlèvement avec la cam. Et en fait, c'est vraiment peu récompensé pour ce que c'est. Je vois des gens qui font juste des openings, juste des... Il y a des tutos, tutos comme en Dext Groot. Voilà, là, ce que je vois. Et ça cartonne à mort. Et je suis en train de me dire, je ne suis pas à ma place ici. Donc, j'ai continué à faire ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui sont derrière moi, parce que je vous kiffe. Mais voilà, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur dans le sens où j'offrais une carte cadeau 15 balles à l'époque. Et je vous jure que c'est vrai, c'était les vidéos les moins regardées. Donc je me suis toujours dit, est-ce que vous pensez que c'est faux? Et ça a été vrai. Donc enfin, tous ceux qui ont eu des cartes cadeaux, ils pourraient le dire. Il y a même le créateur des Celsior. Vous voyez, Reverse. Les Celsior, sur Line, vous connaissez tous. Quelque chose de vraiment pas mal. Lui, il a gagné. Donc il pourrait le dire qu'il a gagné. Comme quoi, c'est pas du foutage de gueule. Et j'ai jamais compris ça. Je suis le seul à le faire. Donc, s'il l'a fait dernièrement, alors là, c'est un carton. Il va savoir pourquoi. Lui, ça cartonne. Moi, ce que je fais, c'est de la merde.
Donc j'ai bien compris que vous ne me prenez pas au sérieux. Du coup, je me suis dit, bah, pour qu'ils me prennent au sérieux, sans mettre d'argent, je tiens à le dire, à part le saut de l'avocateur, moi j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait le grand maître, j'ai fermé mes unités. D'accord, j'avais le temps, c'était confinement, j'ai fait du VS, j'ai fermé mes unités, j'ai fermé mes potions et j'ai fait le grand maître. Du coup, apparemment, je me dis, ah, peut-être c'est bien. Non, à vos yeux, je suis toujours pas éligible à être un joueur correct. Je me dis, putain, mais merde, j'ai OS, comment ça s'appelle, KPMCU, une réa sa mère, avec un 5R4 sur l'iceberg, et c'était, je l'ai fait avec Silver Surfer. J'en ai chié un peu sur Dark Hawk, parce que j'étais trop con, j'ai changé en mode bouclier, du coup je perdais du temps. Le symbiote Hydra, je l'ai niqué sa mère, mais je crois, je l'ai fait avec avec mon Captain America, pareil, une réa 40, parce qu'à un moment j'ai bégayé, ah, mes pouces ils ont fait de la merde, et je suis passé. Grand Maître, tu as à peine 800 unités pour le Grand Maître. Et encore, je perds au moins les 3 ou 4 réas au début, parce que j'avais pas pigé tout de suite ce qu'il fallait faire. Je prenais des jetons de bévue et je prenais un SP3 dans la gueule. Je me suis dit, avec ça, on va me respecter un peu plus. Bon, apparemment, je suis passé ce qu'il est. Je me suis dit, bon, bah, je suis passé ce qu'il est. On va faire quoi? Alors, je me suis dit, bah, vas-y, go. On va faire, comment ça s'appelle? Bah, go, on va faire la V4 à 100%. Je suis la V4 à 100%, tout le monde me dit, la V4, c'est de la merde, c'est facile, c'est bidon, c'est pété. Je me suis dit, bon, ok, bah, vas-y, je fais la V3. La V3, c'est de la merde, c'est pété, c'est bidon. Olé, oh, 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 oh. Du coup, bah, je suis en train de faire quoi? Ma V2, tu vois. Et la V2, honnêtement, je la trouve pas facile. Calmons-nous 2 minutes. Elle me fait moins chier que la V4. Je sais pas, peut-être que c'est que dans ma tête, mais pour l'instant, ça va. Et surtout que j'ai les bonhommes peut-être adaptés. Quant à la variante 1, je suis retourné faire dedans un passage pour essayer. Et ça allait mieux aussi. Comme quoi, j'ai dû évoluer. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire pour être un minimum pas respecté, mais... Que vous me regardiez autrement qu'en mode que je suis un bouffon qui fait des vidéos sur YouTube et que je sais quand même un petit peu jouer, tu vois. Après, soit j'ai pas 10 500 d'indices parce que j'ai fait des ups de con. Si j'avais fait franchement Dr. Doom et Silver Surfer, je serais à 10 200. Ah, je serais à 10 200. On a calculé, je serais à 10 200. Ah, peut-être là on m'aurait dit finalement une TM. Il faut savoir que bah ces derniers temps, si j'ai repris des cristaux là. J'ai repris des cristaux, c'est vrai. J'avais arrêté de prendre des cristaux, j'avais arrêté de prendre des offres. Parce que j'étais en train de me dire que je suis un pauvre con de faire ça, tu vois. Je suis un débile. Voilà. J'avais envie de parler avec vous de tout ça, de ma saison d'alliance. Après la QA, après le voilà, bon, on va pas laisser la fameuse QA où faut payer, faut pas payer. Enfin, tu connais le délire. Moi, je m'en fous. Comme j'ai dit, si t'es investi, t'as du temps, QA6. Si tu investis, t'as de l'argent, QA7. D'accord. Après, si tu veux avoir la prétention, et c'est là que c'est chaud, si tu as la prétention de vouloir faire de la QA7, genre en mode t'es un gros bourrin, t'es exceptionnel, t'es un génie, là je vois beaucoup de gros joueurs qui lâchent la QA7. Je vous le dis, de très bons joueurs, ils en ont plein le cul de la QA7 parce qu'encore une fois, on nous dit que Kabam nous écoute. Moi je vous jure qu'ils ne nous écoutent pas. Et j'ai des. Moi je sais de quoi je parle au jour d'aujourd'hui. J'ai pas été des victimes parce que je suis pas une victime de ça, c'est n'importe quoi. Je suis pas une victime du tout, mais j'ai été déçu par quelque chose, d'accord. Et dans l'eau, il y a Kabam. Et franchement, je me dis, bah, nique sa mère, je vais botter. Non seulement je vais botter et je vais tricher et je vais faire des contenus pour les autres et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre maintenant parce que je suis tellement déçu de voir qu'en étant honnête, en étant plutôt correct, tu vois, à part j'ai des gros mots, je dis, hey, suce ma bite, tout comme ça. Mais bon, ça, c'est ma façon de faire. Et apparemment, encore une fois, j'ai reçu des messages comme quoi c'était inadmissible et que c'est un génocide d'avoir fait 3 enfants. J'ai 3 enfants, que c'est inadmissible. Moi, j'ai des enfants et comment je le vis? Bah, mes enfants ne sont pas en échec scolaire. Ma fille fait un sport-études et de très bonnes notes. Le petit dernier, bah franchement, vu comment il est dégourdi, après, c'est le troisième. On me dit souvent que le troisième est grave en avance. Il fait tout à sa sauce et il le fait bien. Du coup, il a 1 an. Mes enfants sont heureux, pas malheureux. Donc voilà, j'ai une très bonne situation familiale, financière. Comme j'ai dit, je suis propriétaire, pas d'un truc. Je suis propriétaire de plusieurs choses. Après, c'est mon domaine privé. Donc pour beaucoup, je suis une merde. Mais non, c'est pas parce que je fais clown devant toi que forcément je suis un naze. T'as vu? Je comprends pas ce principe de c'est un clown, je suis un bouffon.
Ok. Bon, bah, ok. Pour ça que je suis marié, que comme j'ai dit, j'ai 3 voitures, que je vis super bien ma vie, que c'est beau, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'accepte qu'on me prenne pour un bouffon, hein, de partout. Allez-y. Franchement, faites-vous plaisir. Mais voilà, ça m'a un peu déçu de voir que certaines personnes pensent ça de moi, parce que vous ne me connaissez pas vraiment. Vous me connaissez à travers YouTube, et YouTube, comme j'ai déjà dit, pour tous ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, c'est mon dé... Putain, j'ai un gros coup. C'est mon défouloir, et c'est mon régal. Et c'est ici, c'est ma psychanalyse, YouTube. Tu sais, parler avec vous comme je suis en train de le faire, c'est une psychanalyse de ouf pour moi. C'est un régal. Je kiffe, je vous kiffe, parce que j'ai du retour avec certaines personnes. J'ai une communauté qui est là depuis longtemps, et je sais que bah, cette communauté, bah, moi, elle me régale. Je vous kiffe, bande de salopes. C'est ce que j'ai à dire. Vous avez vu? Aucune synergie, on s'en bat les couilles, on avance comme ça. Voilà mes petits dindons. J'avais envie de vous parler de tout ça, j'avais envie de parler avec vous, et que bah là, je vais reprendre correctement les choses. Je vais reprendre correctement en mode. On s'éclate, on se ramuse et on refait des openings. Je vais refaire des openings pour des gens. Là, je suis en train de faire un. Franchement. Lui, je sais pas comment je. Je joue comme ça. Voilà. En gros, je fais 1, 2, je redexte. 1, 2, 3, je dexte. 1, 2, 3, 4, je dexte. Je recommence. Après, il en a 6. Tu mets un SP2. Le SP2, c'est cool. Il y a du saignement et tout, ça tape. Ça épure tout, tu recommences. Enfin, c'est comme ça que je le joue. Je pense pas que ça soit comme ça qu'il se joue. Vous avez vu le match-up de merde? Allez, hop là. Archangel contre ennemi poison. J'aime bien perdre du temps, moi. Donc voilà. Moi, j'en veux à Kabam parce que. Ouais, ils font des nouvelles difficultés, ils font des trucs, ils font des machins, mais. Moi, je veux juste que je sois plus stable. Parce qu'en ce moment, je peux quasiment pas jouer. Je jure que c'est vrai. J'ai un très bon téléphone, j'ai une très bonne connexion. Et tout me saoule. Tout me saoule. J'ai l'impression de pas avancer. J'ai l'impression que je végète dans le jeu. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi votre ressenti dans le jeu, pareil. J'ai l'impression que des niveaux se sont lissés ces derniers temps et que. Après, c'est sûr que. On peut pas laisser place à tout le monde non plus. J'allais dire, j'ai vu certains trucs. Ouais, je vais vous montrer un truc qui me plaît pas non plus. Je trouve ça dégueulasse et injuste. On pourrait me dire. Oh, regardez, ils vont me dire. Non, c'est normal, c'est adapté au niveau des gens. Dis-moi si ça, c'est adapté. Dis-moi vraiment, Kabam, dis-moi. Enfin, toi, grand Kabam, puissant Kabam, qui connais tout avec tes officiers de merde. Ouais. Bon, des ouf, monde de con. Bref. Les 1000, je les aurais pas. Parce que je m'en bats les couilles. Regardez ce que je prends. J'ai pris les éclats. C'était 20. 20 pièces, 1000 éclats rouges. C'est sûr qu'au prorata, il t'en faut que 4. Hein? Là, il t'en faut que 4 pour faire un 4 étoiles. Soit là-dessus, et il en faut 10. Pas de problème. On a bien compris la couillonnade. Vas-y, il n'y a pas de problème. D'accord? Sauf que, comment ça, les gens n'y ont pas droit. Pourquoi? Pourquoi que pour les chevaliers, sa mère? Les incollectables, ils auraient mérité de toucher ça. Pourquoi pour les chevaliers? Pourquoi si cher? Pourquoi un 13 étoiles? 40 pièces, un 3 étoiles! Bande de zinzin! Et là, tu vois, après, le paradoxe, voilà. Donc, tu vois, le prix d'un 4 étoiles, il est dingue. Le prix d'un 4 étoiles, il est très cher. Le prix d'un 3 étoiles, il est cher. Mais la gemme d'éveil 4 étoiles, elle pulse gag. Elle pulse gag. Elle est pas chère. Par contre, la gemme 5, ok, bah, c'est mieux d'avoir. Toi-même d'ouvrir des 5, tu ouvrais une gemme de merde, là. Et franchement, ils me foutent le seum en ce moment, ils me foutent le seum. Les pierres, moi si c'est les pierres que je vais prendre. Les pierres pour Namor. Voilà. Mais encore une fois, les pierres. Pourquoi chevalier? L'incollectable aussi, il a des 5 étoiles. L'incollectable aussi, il s'est fait chier. Tu vois? Et crois-moi que quand tu dis incollectable, t'es content d'avoir des petites pierres. Les pierres, c'est galère vos pierres là, les mecs de Kabam là. C'est galère vos pierres. Vous me faites chier. Bah vous m'énervez. Clairement, après ces 30 minutes de vidéo. Regardez ce que j'ai pris. J'ai même pris des soins. Tellement je prendrais rien de tout ça. J'ai pas envie. Faut que je suis tellement énervé dans le jeu que voilà, je prendrai pas. Attends, je viens de voir un truc là.
Cristal de pierre spécial 5 étoiles. J'en ai pris 5. Pierre spéciale 5 étoiles. Basique. Le même prix. Le même prix. Le même prix. Le même prix. Et vu que j'ai pas fait les labos, je peux pas en prendre. Ouais, j'ai plus rien du tout. Voilà. J'ai pas fait mes labos. Voilà les petits dindons. On va s'arrêter là parce que je suis en train de rager. J'ai envie de m'énerver. Et puis beaucoup de personnes m'ont déçu ces derniers temps. Et je suis grave déçu de certaines personnes. Grave qui m'ont menti, qui sont foutues de ma gueule. J'ai un profond sème, moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ces 30 minutes avec vous. J'espère que je vais pas trop vous saouler. J'espère que c'est pas trop long. D'accord. Il y aura du Bruce Grossin cette semaine. Il y aura de l'opening cette semaine. D'accord. Il y aura tout comme avant. Comme avant, un grand retour aux sources, un régal. Je vous dis bonne bifle, à très vite, à bientôt mes petits dindons. Bisous bisous tout le monde, salut.